Allez, vas-y, on voit, on voit. Ah, putain, il est où Chier, putain. Ah mais c'est juste après aujourd'hui dans votre chronique écho nous allons nous intéresser au lot-et-garonne et plus particulièrement à une campagne d'un collectif mêlant institutionnel et privé qui drague les urbains des métropoles pour leur donner envie de s'installer dans ce département rural un site dédié a été créé baptisé je m'installe à agen un collectif qui rassemble le conseil départemental du Lot-et-Garonne, la ville et l'agglomération d'Agen, le Comité départemental du tourisme, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre interdépartementale des notaires, l'Agropole ou encore la société Goupil, le pôle de santé du Villeneuve, le MEDEF 47. En fait, l'idée est venue d'une étude menée par Cadre Emploi et le Figaro Immobilier au sortir du premier confinement. Elle classait Agen dans le top 20 des villes de France où il fait bon vivre et travailler. Pour draguer les urbains, la préfecture haute garonnaise mise en fait sur son patrimoine, sa culture, le sport, ses cursus post-bac, la campagne à proximité, le privilège évidemment de la maison avec jardin, un cadre de vie moins stressant, plus proche de la nature, qui laisse du temps pour vivre, des moments en famille. Alors le département attire aussi l'attention de ses prospects, qui sont surtout des Bordelais et des Parisiens, sur le fait qu'ici, des possibilités de travail sont multiples, dans le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, entre autres.